Nique ta mère le jeu. Merefsama, mata muzukashii kao shite. Miken ni shiwa dekite shimaimasu yo. Gesenai nda. Han Adelpha ga Luxuria o kenkoku shi, sengo, takoku kara no kansho o issai saketa. Daga, ou no ano yosu, hoka ni mo nani ka aru youna ki ga suru. Nani ka tte? Konkai no ken wa 法王庁からの申し出だ。それをあそこまで拒絶する理由、まるでその関係を断ちたがっているかのように見えてな。何か別の弱みを握られていたということですか？それならば説明もつくのだが。ジーク、その辺の事情は？わからん。記録も残ってへんからな。お前はどうだ？私のその頃の日記には何も。 多分、何らかの事情でコアに戻っていた時期かもしれません。じっちゃんはその頃のことを知らないの？ん？わ、わしは別の場所におったからの。人間の国の情勢とやらにも興味なかったし。なんだよ、無駄に年食ってる割には役に立たないな。お主、コルレルみたいなものを言いをするの。 王様が語ったことが全てじゃないってこと？可能性はあるわね。それは、神たちがイーラの名前を継承しているのと関係あるのでしょうか？この先の世界を見れば、おのずとわかる。お前はここまで来てしまった。この先の世界。 シンが言ってたこの先の世界って、未来のことかと思ってたけど、あれって過去の人間の歴史って意味だったんじゃないかな。そこに彼らの戦う理由が？うん。もし、そうだとしたなら、やっぱり私は眠りにつくべきではなかったのかもしれない。 Le précédent état de l'évolution. D'accord, pourquoi pas? Quoi, vous aviez cru que j'allais passer à côté? Mais non, je suis pas débile, les gars. Ah, le temps a changé, du coup, il devrait y avoir moins de monstres niveau 80. Donc là, on a des gaudrilles. Alors, il doit toujours y avoir les gros monstres volants, mais on doit être trop loin pour les voir. Ou peut-être pas, peut-être qu'ils sont vraiment que quand il y a ce temps-là. Mais je crois que j'avais vérifié que c'était pas le cas. Et déjà, on y voit plus clair. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et lui, par contre, n'est plus là, donc je suis à moins qu'il soit là-bas plutôt. Ah, c'est bon, il est par là. Donc, Lutti. Salut. Ah, pas le temps de saluer au discutailler, désolé. Lutti cherche un ingrédient miam miam pour nouveau jus depuis 100 jours. Lulili, ah c'est pas Lutti, c'est Lulili. Cherchez chou iceberg près de ruines, mais a glissé, et boum, badadoum, Lulili tombe en bas. Lulili veut pas sauter d'ici, trop haut et trop chocotte. Alors Lulili vit ici depuis 99 jours. Plane jusqu'en bas avec tes oreilles. Mais, un nippon pas bête. Lulili agite oreille comme des ailes, descend tout doux et atterrit comme fleur. Comme Lulili a pas trouvé solution toute seule, faut croire que cerveau Lulili est aussi congelé que chou iceberg. Merci pour conseil, Amipon. Mais. Au fait, Frangipon et Frangipon Lulili cherchent aussi un ingrédient miam miam pour nouveau jus. Si Amipon rencontre Frangipon et Frangipon, Amipon leur passe salut tapon de part de Lulili. Au revoir. Pas de soucis. Oh, je descends moi maintenant. Ça va, c'est pas très haut. Du coup, il parle de l'état final, enfin l'état précédent de l'humanité. De qu'est-ce qu'il faut en conclure que
Je sais pas, moi, en fait. Qu'est-ce qu'il faudra en conclure? Aucune idée. Je pense qu'on est pas loin de la fin du chapitre, quand même.聖杯大戦時の戦場跡じゃな。見覚えのあるものも結構あるわい。壁も地面も溶けてる。かなり激しい戦いだったんだね。天の聖杯のデバイスは、光ちゃんが行使するセイレーンやサーペントだけじゃありません。当時は無数のデバイスが 滅によって行使されたんです。そいつとの戦いの後ってことか。ねえ、デバイスって一体何なのさ。サーペントは見たことあるけど、セイレーンってのは降ってくる光しか見たことないし。 天の聖杯に与えられた力、遥か天空の楽園に眠っている神の剣。ちょっと、楽園ってもしかしてめちゃくちゃ恐ろしいとこなんじゃ。わかりません。わかりませんって。私の記憶の片隅にあるのは、あの街並みだけ。なぜ父様が私を、そしてデバイスを作ったのか、 私はそれが知りたい。ホムラ。いいじゃないか。そんなの言ってみればわかるさ。あんたね。宝の箱を開けてみるまでわからない。でも開けなければそれはただの箱。サルベージャーの合言葉、その4。ってね。たく、サルベージャーの合言葉と一緒にすんなよ。 Si personne l'entretient, c'est pas forcément faux. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Malos avait aussi toute une armée d'artifices, mais pour une raison inconnue, bah, il les a tous perdus. Ou alors, Omura et Ikari les ont tous détruits. Au fur et à mesure. Putain, il y en avait ici. Si j'avais su, je me serais pas fiché à les farmer sur d'autres monstres qui les invoquent. Putain, il y en avait plein. Si j'avais avancé un petit peu, c'est pas grave. Il n'y a pas de tyran, on n'en a pas croisé sur le chemin. J'aurais mis un coffre, moi. Mais c'est des ruines, donc même, en même temps, c'est un peu normal s'il n'y a pas de coffre, à part celui-là qui nous est quasiment donné. Ouais, en tout cas, c'est chelou. Donc, elle a encore son device, donc son mecha, en gros. Elle a encore Orphion, enfin un Serpent qu'elle contrôle plus du coup. Mais qu'on va normalement récupérer. Du coup la prochaine zone ça serait Elysium normalement vu qu'on aura de quoi y aller. À moins qu'il y ait une autre péripétie entre temps qui se mette en place. Ou alors Malos essaye d'aller à Elysium, pas pour retrouver sa force mais pour retrouver des devices. Ça se trouve il y en a plein là-bas et il suffit juste de leur donner un chef quoi. C'est possible aussi. Genre ils sont gardés dans un conteneur et... Et le prêteur les aurait réveillés. Oji, à ce quoi ? どうやら目的地到達のようや。
これやな。コアクリスタルみたいだ。これがサンクトスチェイン。ええ、これがサーペントの制御コア。私とサーペントが意思の疎通を図るために必要なものです。急がないと。わかりました。どう、直せそう？静かに。ごめん。光。ほんなら。浮上している。王子、浮上したら雲海を回遊するよう玄武に伝えといたわ。おお、どうやら魔におたみたいやな。よかったもん。トラ、暴れてやアンコみたいにならなくて済んだもん。一件落着だね。レックス、もうあれ外しても大丈夫やで。うん。こんな僻地に隠されていたとはね。わからなかったわけだ。正直脱出するべきか迷ってたんですが、ご苦労様でした。今日はあの厄介な女もいないし、思いっきりやれるね。君とのロンド、楽しみにしてるぜ、ニア。いちいち気色悪いね、あんたは。そんな、ひどい。目的は、サンクトスチェインか。勘がいいね。バカ、他に何があるって言うんだよ。それもひどい。素直に渡せばなんて陳腐なセリフは言いません。全力で叩き潰してあげますよ。真のためにもね。真と滅はどこ？彼らには聞きたいことがたくさんあるの。あなたに話したいことなんてないと思いますけどね。そうかしら。そうですよ。勇んでるとこ悪いけどな。ブレードもなしにどないして戦うんや。舐めすぎちゃうか？別に舐めちゃいませんよ。そんな必要ないだけです。なんやで？クリスタルだと。やっぱりブレイド。いや、マンイーターか。すごい、ご明察。これまでいろんな邪魔が入りましたけど、今日はそれもなさそうだ。これで心置きなく戦える。やってみなよ。簡単に行くと思ったら大間違いだよ。まさか。思っちゃいませんよ。言ったはずです。全力でとね。J'espère que t'es au moins niveau 45-48. Oh. Oh, les femmes d'abord, comme on dit.
Je suis déception. Après, on a Nia avec nous, donc on craint pas grand chose non plus. Ah, évitez de rester dans le feu. Est-ce que je peux pas utiliser mes lames ou je peux quand même? Et... pas très sympa ça. Que si tu veux que je te bête le cul, je te baisse le cul, y'a pas de cul. Et en plus, le niveau 4, je peux le faire qu'avec elle. Ah, j'ai l'impression que les combos de lame en fait durent pas, pas longtemps du tout avec eux. C'est pour ça que c'est si long. Du coup, je vais pas pouvoir build mon combo pour les baiser tous en fait. Sauf si j'ai déjà tout chargé et que je les fais enchaîner en fait. Ah, mais j'avais pas vu, il y a ça. On va peut-être péter ça. Hein, ça doit être ça qui fait que nos combos durent pas longtemps. Allez, sorte à lame d'eau. Oh, fuck. Ah, il a séduit mes heures de lame. On va essayer de détruire ce truc. En plus, il craint le feu, donc si c'est pas un indice. C'est casse-couilles. Tu me casses les couilles. Ah, y'a plus le pylône. Alors, on va pouvoir commencer à bourriner. Allez, un petit saut au blocage pilote, tu nous feras moins chier. Ah, je crois qu'il vient de s'énerver, ça c'est pas bon. Non mais le petit blondinet là, tu vas arrêter. Du coup ouais, ça doit être tous des baniteurs là-bas.
C'est pour ça que... On va se soigner un peu. Qui c'est qui m'a provoqué? Non, j'ai pas été provoqué. Ah, pourquoi mon sort n'a pas fait de combo alors? Ils sont résistants ces cons. On va se re-soigner. Ouais, d'accord, faut pas l'attaquer pendant qu'il fait ça. Voilà, si tu voulais nous provoquer, tu sais ce qui t'attend. Donc je disais, les femmes et les enfants d'abord, mais lui il me fait un peu chier. On bourre un peu. Petite explosion de vapeur. Dans ta gueule. Je veux pas arrêter de tout esquiver par hasard. Parce que... Ça me casse un petit peu les couilles. Ah, il se soigne? Ou c'est l'autre qui le soigne? Si c'est l'autre, faudra la tuer en premier. On l'aura pas à temps, dommage. J'aimerais bien que... Voilà, nickel, c'est ça que je voulais. Mange ça dans ta gueule. Tu m'as saoulé. Voilà. Maintenant, les femmes en dernier. Un petit peu de respect pour la jante féminine. J'aurais pas le temps de la déséquilibrer, tant pis. J'ai pas de lame de foudre, mais c'est pas grave. Il est temps de mourir. Merci. Tout le plaisir était pour moi. とりあえずもう一発かまして寝てもらおうか。後で行さん尋問したるさかいな。行くで。ゴーリキカーリ。シン、いつの間に。雷号の名は伊達ではないよ。
この俺が急所を外したのは初めてだ。ほんと俺マジ心配せんで、かすり傷やこんなもん。し、大丈夫なんですか。そんなヤバじゃねえよ、こいつは。メツ、おっと、俺はただの見物人だ。今日はどうしても自分の手でやりたいって。こいつがな。シンガ、そういうことだ。サンクトスチェインと聖杯共にもらい受ける。やってみろよ。確かにあんたは強い。だけどホムラも光も絶対に渡さない。強いな。だが言葉だけだ。お前がそれを望むのならば、言葉ではなく自らの力で示してみせろ。Ok, ça va être un peu plus long que prévu. Ah, 46, voilà, là on peut parler. Non, je t'attaquerai pas, prends. Ok, donc il se transforme en Kiku Dark avec une... avec une forme chelou. Ouais, mais forcément, l'animation de cette attaque, faut la voir, quoi. J'aimerais bien lui mettre le niveau 2 et après passer sur, sur Riné. Ma jauge recharge très lentement, j'ai l'impression, ici. Ah. C'est scripté.最大の弱点だ。無駄なあがきだ。俺の力は全ての素粒子を操作する。素粒子だって。故に己の肉体を高速度まで加速させることもたやすい。どれだけ先を予測してもその後に動くのはお前自身。所詮俺の敵ではない。光、まだ大丈夫。レックス、真の動きを止めるわ。光の速度には光の速度よ。分かった。みんな巻き込んだらごめん。
言ったはずだ。俺の力は素粒子の操作。天の聖杯の攻撃の正体は加速させた粒子エネルギー。そしてそれは重粒子ゆえ、わずかに光の速度に及ばん。あとは見ての通りだ。そんな光の攻撃が。シン、終わりだ少年。無人剣。あの時バーンの構造に好きにさせるか。メルフ様。ほう、近くで見るとかなりのべっぴんさんだな。殺すのがもったいないぜ。離せ！やめろ。まだ意識があったとは驚きだ。安心しろ。その胸のコアクリスタルをえぐり取れば楽になれる。こんなところで俺は楽園に行かなきゃ世界の答えを見つけなきゃならないんだ。世界の答えか。そんなものはどこにもない。やめて。あなたの目的は私のはず。レックスたちは関係ない。おほ、こいつは泣けるね。愛しい彼女が命乞いかい。茶化すな、サタン。こいつは真剣勝負だ。剣を引いて、シン。出なければ。どうするというのだ。私を消滅させます。ホムラ？私が消えれば、困るのはメツ、あなた。気づいてやがったか。さすがだな。だがどうやって自分を消し去る。今のお前にそんな力が。試してみます。驚いたな、そんな芸当ができたとは。どういうこと。あいつ自ら光のデバイスを制御してやがる。彼女の覚悟がなせる技ですか。やってみろ。先ほどと同じように俺の力でかき消すだけだ。そうですね、粒子砲ならそれも可能でしょう。でもこれは照準光。その速さは光と同じ。そしてほんの少し出力を上げるだけでブレイド一人を消滅させるには十分な威力となります。お前、次に合図を送れば私の体はこの世界から消滅する。あなたが動くより早く。どうします、シン。意外だな、天の聖杯であるお前がそんなことを言い出すとは。
楽園への扉、お前が開いてくれるというのか。それがあなたの望みならば。やめろホムラ、こいつらは。シン、よかろう。ホムラ？ニア、レックスのこと頼みます。ごめんなさい、レックス。ホムラ、なんで。今頃気づいたのか、自分のブレイドがこれほど傷ついているのに、お前は自分しか見えていない。天の聖杯と同調した少年、どれほどかと期待すらしていたが、お前は愚かだ。愚かで悲しいほど暴れた。ホムラ、ok, on passe à la suite. マルベーニ星か。何か
ルクスリアに向かった天の聖杯の件でご報告が。構わん、入りなさい。失礼いたします。そうか、天の聖杯は真の手に。所詮は子供、その程度であったか。それとも得られぬ力を得るか。聖火。ヘルテル。は。儀式の用意を。承知いたしました。兄貴、まだ起きてこないも。もう2日になるも。あれほどの傷を受けたわけですから、命に別状はなくても体が休息を必要としているのでしょう。大丈夫かな、あいつ。レックス。何それ。帰るんだ。は？帰るってどこに？どうしようかな。じっちゃんは小さくなっちゃったし、やっぱアバリティアかな。リックス、お前。アバリティアかな、じゃないよ。ホムラはどうすんだよ。あんた今の状況わかってる？記憶が飛んでるとかそんなんじゃないよね。記憶ならあるさ、ちゃんと。だったらいいんだ。いいって。天の聖杯のドライバーとか言われてその気になって、自分になら何でもできると思い上がって、でもほとんど何もできなくて。できたことって言えばホムラを傷つけることだけで、だからもういいんだ。いいわけないだろ。あの子はあんたを守るために捕まったんだよ。知ってるよ、でも無理だ。無理って。あんなすごいやつに勝てっこない。俺なんかじゃとてもかなわない。それがよく分かったんだ。あいつらといればホムラはもう傷つかないで済む。だから帰るんだ。もともと無理だったんだ。楽園もドライバーも俺にはサルベージャーの方が。こんなバカ野郎。痛いか。でもね、ホムラの心の痛みはこんなもんじゃないよ。もっと何倍も痛いの我慢してあいつらのところに行ったんだ。私たちを助けるために。分かってるよそんなこと。だからってどうすればいいんだよ。技なんて一つも効きやしなかった。
デバイスの攻撃だって弾かれて、あいつには全く歯が立たなかったんだぞ。戦えば戦うほど穂村と光を傷つけて、だったら俺なんかそばにいない方がいいんだ。本気で言ってるの？あの子がどんな気持ちであなたの元を去っていったのかわかる？私がそばにいるとレックスはいろんなものを失ってしまうんじゃないかって。だから私がそばにいない方がレックスも世界もきっと幸せになれる、そんな気がするんです。自分がいない方がいいとまで言わせて、それで何とも思わないの？あの子はね、あいつらと差し違えるつもりよ。そうまでさせて、それでもあなたはあの子と楽園に行きたいってあなたの思いはその程度のものだったの？久しぶりだね、父さん、母さん。俺ドライバーになったんだよ。すごいだろ。それでこの人はホムラ、俺のパートナー、とっても大事な人なんだ。俺ホムラと一緒に楽園に行くことに決めたんだ。この先何が起こるかわからないけど、ホムラと俺を見守っていてくれよ。もういいよ、私たちだけで助けに行こう。こんなやつ私たちの知ってるレックスじゃない。どこでも好きなとこに帰っちまえばいいんだ。皆さん、さすがにそこまで言わなくても。ここは女性陣に任せようじゃないかな。今のレックスは全然レックスらしくないですもん。たった一度負けたくらいで諦めて、情けないったらないですもん。だけどグダグダ言うんじゃないですもん。ハナ、そんなレックス見たくないですもん。ハナもご主人も本物じゃないですもん。だからレックスたちにすっごく憧れてましたもん。レックスは今までとっても頑張ってきたですもん。レックスが頑張るから花もご主人も頑張れるんですもん。レックスは目標なんですもん。ずっとずっと走り続けていてほしいんですもん。だからこんなところで立ち止まっちゃ嫌ですもん。ハナ、王子。ボン、親父がボンを呼んどる。王宮に行くで。オッケー。très touchant cette scène, très intéressant, beaucoup d'informations. Ouais, je sais pas trop comment enchaîner là-dessus. J'ai envie d'accélérer et d'avancer dans l'histoire, et en même temps, je dois faire les quêtes secondaires et tout ce qui est à côté. Et la petite intervention de Poppy à la fin était très touchante, encore une fois. Ce jeu est à des années-lumière du premier. Niveau scénario, c'est assez impressionnant. Même du deuxième. Il n'y a pas à chier. Je fais ça juste vite fait pour me changer les idées. Hé, hey, la jolie fleur! C'est à moi que tu parles? Oui. Je ne suis pas une fleur, je suis une lame. Et j'ai un nom, c'est Florène. Oh, pardon. C'est que on ne voit pas beaucoup de plantes à Tantal à cause de la neige, alors je me suis un peu emporté. Je vois, tu t'intéresses donc aux plantes. Tu veux que je te parle de la fleur qui existe à l'intérieur de Tantal? Oula, air angélique niveau 6, et puis quoi encore? Non, niveau
Niveau 5. Non, ça m'intéresse pas. Tiens, c'est bizarre. On dirait que mon air angélique n'a pas eu d'effet cette fois-ci. C'est pas prêt d'en avoir, j'ai envie de dire. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que... que Shin possédait des pouvoirs beaucoup plus puissants qu'on ne le pensait. Il maîtrise la lumière. Pyra, Ikari, on mélange pas tous les noms. Contrôlant la lumière, c'est un problème, vu que c'était à peu près la seule chose qui pouvait l'arrêter. Et il en était conscient, je pense. À mon avis, ça consomme beaucoup, quand même beaucoup d'énergie, et je pense que c'est pas très bon pour lui. On a pu remarquer qu'il avait une cicatrice sur le ventre, peut-être là où était son cristal cœur à la base, je ne sais plus s'il était sur son front ou pas dans le flashback qu'on avait eu. Je crois qu'il était quand même sur son front, mais il a été blessé gravement, apparemment, vu qu'il a une cicatrice. Donc peut-être qu'il est, entre parenthèses, vivant, si tu le tues, il repopera pas, dû à ce qu'il a fait pour ne pas perdre ses souvenirs ou quelque chose comme ça. Malos ne s'est pas interposé, les lames artificielles, bon, j'étais sûr qu'elles allaient arriver à un moment ou à un autre, mais là, c'était quand même un petit peu le... Enfin, elles servent à rien, techniquement, vu que Shin a démoli les autres en un clin d'œil. Donc, pourquoi pas, mais ça reste sympa. Omura qui peut contrôler Oscil Device, ça c'est intéressant, peut-être que son attaque finale va changer ou devenir plus puissante. Je m'attendais à un power-up, mais d'après ce que le prêteur a dit, apparemment il faudrait que je retrouve quelque chose, donc ça va peut-être nous permettre de faire un power-up justement. Mais du coup, on n'a toujours pas Pyra. Bon, bah, on pourra jouer avec Rogue du coup, ce qui est pas plus mal. Je sais pas trop quoi dire, c'était très intéressant. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on ne va pas continuer l'histoire principale tout de suite parce que quête secondaire, parce que je suis un con et parce que c'est comme ça, tout simplement. Je vais regarder quand même les quelques missions qu'on a débloquées. Ah, c'est des missions classiques à la base. Il y a celle-là aussi que je voulais faire avec vous, qui est pour une lame qui devrait débloquer son niveau 4 de Crystarium, je crois, à Godfrey. Je pourrais la faire, mais pour le moment j'ai pas trop envie. Argentum, que dalle. Gormoth, il y en a un, mais il faut du courage, on n'a pas de lame avec du courage. Ouraya, que dalle. Morardin, pareil, je crois qu'il faut du courage et on n'en a pas. Du moins, pas qu'il soit pas lié. Ici, il me reste quelques missions à faire, mais c'était avec des lames niveau 35, du coup, on fera ça pendant les quêtes secondaires ou autre. Indol, on n'a toujours rien de nouveau. Tantal, on a débloqué du coup c'est toutes les quêtes qu'il fallait faire. Et encore une fois, il nous faut du courage. C'est casse-couille. Enfin bref. C'était pas si mal. C'était plutôt intéressant, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié de parler, qu'on va encore me dire en commentaire, t'as pas noté ça. Qu'est-ce que j'ai pas noté? Oui, les maniteurs, je l'avais prévu, vu que la dernière fois elle avait essayé de se transformer, mais elle avait pas pu. Donc oui, le coup des maniteurs, je le savais. Du coup, les autres devraient se dire, Nia en faisait partie, ça doit être aussi une maniteur, mais apparemment non. Mais, du coup, ça ferait tout son sens que ça en soit une, et c'est pour ça qu'elle a été recrutée d'ailleurs. Parce qu'ils avaient dû faire des expériences sur elle et ils l'ont sauvée du coup. D'où la confiance qu'elle avait en Shin, avant de se rendre compte que c'était un dégénéré qui voulait tuer tous les humains. Parce que du coup, il doit considérer les maniteurs comme étant pas humains. Techniquement, c'est pas totalement faux. D'ailleurs, là-dessus, je peux vous dire que cette lame, parce que je l'ai dit en commentaire, mais je l'ai pas dit en vidéo, on va sûrement la récupérer parce que les oreilles qu'on avait vues sur Nia la dernière fois ressemblent beaucoup quand même aux oreilles que l'on voit ici. Donc je sais pas si c'est la même lame, mais le fait est que Aegaon... qui se trouve ici dans l'ordre des lames, qui sont les lames principales ou d'histoire, et que celle-là n'en est pas une, se trouve ici. Donc techniquement, s'ils sont classés par ordre d'importance, ici on a... Merde. Du coup, c'est pas la troisième forme de Poppy ici, mais la troisième forme de Poppy, elle est là. C'est-à-dire qu'elle sera vachement classe, quand même. Mais aussi, du coup, ici, ça serait logique que ça soit la lame de Nia. Peut-être qu'ils vont trouver un moyen de la sortir de son corps.
Et derrière, du coup, il reste toutes les lames d'histoire. Sauf que techniquement, celle-là, c'est aussi une lame d'histoire. Mais c'est un cristal cœur chelou. Vu que c'est Wulfric qu'on avait chopé à l'époque où Vandamme était encore vivant. Du coup, c'est un petit peu bizarre. Mais peut-être que les cristal cœur spéciaux sont pas considérés dedans. Enfin, qu'on récupère dans l'histoire. Et celui-là, on le récupère dans l'histoire. C'est ça qui est dommage. Donc je sais pas, peut-être que tout mon raisonnement est faux, mais peut-être que du coup ici c'est Poppy 3, et ici c'est la lame que Nia renferme en elle, qu'on pourrait récupérer plus tard. Ce qui serait stylé, n'empêche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La nouvelle apparence de Shin, pourquoi, comment, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que c'est bizarre. Ouais, faudra aller voir le roi, c'est ça. Mais on n'est pas prêt d'aller le voir. J'espère qu'il n'y a pas une quête d'ailleurs à côté de lui. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Parce qu'on ne va pas aller le voir. Enfin bref, je vais m'arrêter là je pense pour cette fois-là. La prochaine fois, je vous retrouve du coup pour une session de quête secondaire. Alors à chaque fois, je me dis ça va prendre 2-3 heures. Mais ça prend toujours plus. Là, normalement, on n'a quand même pas énormément de quêtes à faire. Parce qu'on a fait quasiment toutes les quêtes de l'âme qui nous restaient à faire, je crois. Ici, elle est en cours. Ça, on peut pas le faire. Je sais que ça vous fait chier quand je fais ça, sûrement. Mais normalement, il nous reste pas beaucoup de lames à faire. Je crois qu'il y a peut-être une quête qui reste à faire sur sur Dromark, peut-être, je crois, qu'on n'en a pas fait. Enfin, il y en a une par lame, je pense, et on en a fait à peu près sur toutes. Et si je les ai pas débloqués, ben on les fera pas. Sur ce, j'espère que cette session vous a plu. Ça devrait faire deux vidéos. Je voulais faire une grosse vidéo, mais là, la grosse vidéo ferait 1h40. Ça serait un petit peu énorme. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine session pour nettoyer les quêtes secondaires. Je pense que ça prendra pas plus de 3 vidéos ou 3 heures. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. A plus !